Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je fais la vidéo sur le Starbucks Coffee, donc qui est enfin sorti. En fait, c'était écrit coming soon, mais là, il est enfin arrivé. Donc, let's go, on va aller le visiter. Donc, déjà, ici, il y a une petite table avec des petits tabourets hauts. Une petite plante, j'aime vraiment trop la déco. Voilà, ça ressemble beaucoup au café Starbucks original. C'est vraiment trop beau. Donc, ici, des tables. Donc, on y retrouve des tables. Et ici, une petite étagère pour décorer. Une autre petite étagère. Donc, voilà. Et ici, on y retrouve le comptoir pour la caissière, ici. Et voilà, je peux prendre un café. Là, j'ai pris un café. Ici, on y retrouve des smoothies. Voilà, voilà. Et ici, on peut manger un donut ou quelque chose. Donc là, elle dit « You're not working here ». Non, mais je fais une vidéo, voilà. Voilà, et j'imagine qu'il y a un nouveau métier qui vient avec ça. Ouais, parce que eux ils ont un métier. Donc, je sais pas c'est où on le prend, le métier. Attendez, où on le prend, le métier? Ben, en fait, il est pas indiqué dans le magasin. D'habitude, il y a un petit icône. Il y a un petit icône pour le prendre direct dans le magasin. Mais là, je crois qu'il faut... aller dans les tâches, ben dans les jobs, voilà. Ça doit être le dernier. Voilà, Starbucks. Donc, je travaille maintenant ici. Bon, ils pourront plus me dire, tu travailles pas ici. Bon, donc, voilà, voilà. Donc, tout le monde, il y a aussi des nouveaux véhicules, comme celui-ci. Donc, c'est, je sais pas si c'est un véhicule de quoi. Mais voilà, on peut ouvrir la porte. Je sais pas si ce sera ça, mais genre ici, il y a un petit... une petite main. Oh, on peut changer pour un camion UDS. Je sais pas c'est quoi. Et ici, on peut ouvrir le coffre de l'auto. Attends, il y avait une flèche. Ah, voilà. On passe dessus et là, on peut ouvrir le coffre de l'auto et aller à l'intérieur. Oh my god, c'est juste trop bien. Et ici, c'est pour changer le camion. Waouh, 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 trop bien. On peut mettre celui-ci. Celui-ci. On peut vraiment changer ZX. Vous savez, FedEx, je sais pas si vous connaissez. Mais en fait, ils ont comme fait un jeu de mots, c'est trop drôle. On va aller voir s'il y a un autre véhicule. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, ils ont sorti un nouveau véhicule. Un mot maximum. Pour voir à quel point il peut... Hop, j'ai oublié de fermer le coffre. Voilà. Ok, on va rouler un petit peu avec. Oh, il pleut. Là, j'ai pris un accident là. Et en plus, dans l'update, il y a eu des panneaux comme ça dans toute la ville. Donc, on peut changer leur couleur et on peut écrire ce qu'on veut. Donc, là, il y en a un, mais il y en a un peu partout. Voilà, dans la ville, c'est pas le seul. Il y en a d'autres dans Brookhaven. Voilà, moi j'ai mis un petit cœur sur le panneau. Voilà, voilà. Donc voilà tout le monde pour le café Starbucks. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, partager et abonne-toi si tu le souhaites. Mais abonne-toi, ce serait trop bien. Aussi, tu peux rejoindre mon groupe Roblox qui est à Esthétique Emily Roblox. Vous avez juste besoin d'aller... dans mon Roblox que je vais mettre en commentaire, en description,
Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on est presque 200. Donc, on est 197 au moment que je tourne la vidéo. Merci beaucoup tout le monde pour ça. Donc, à la semaine prochaine, mon prochaine vidéo. Bye tout le monde!